Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une bourse horlogère qui a eu lieu à Sérignan le 30 avril. Bourse horlogère qui a été organisée à Sérignan et c'est suffisamment rare pour le noter puisque dans le sud, on a très peu de bourses horlogères. Et je vous emmène faire un petit tour dans cette bourse pour vous partager un petit peu tout ce qui est exposé. Donc il y avait pas mal de stands. Bon, il y avait à peu près une vingtaine de stands, hein, donc c'était pas non plus énorme, mais tout le monde était très sympa, l'ambiance était vraiment très sympathique. Le maire de Sérignan nous a très bien accueillis, a fait un petit discours. Je vais vous laisser admirer tout ça et puis... Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous présenter mon acquisition. On se retrouve donc en fin de vidéo, comme convenu, donc pour vous montrer la petite acquisition que j'ai faite. Il s'agit d'une Seiko Bellmatic de 1975 qui ne fonctionne pas. Et oui, elle m'a été vendue comme ça à un prix de 35 €. Honnêtement, pour le prix, je me suis dit bon allez, je vais voir ce que ça donne, si c'est une petite panne ou pas. On se retrouve à la maison, on va l'ouvrir et on va voir ce qui se passe. Voilà, on a ouvert et on remarque qu'il n'y a pas de balancier spirale. Déjà, ça m'étonne pas que la montre ne fonctionne pas sans balancier spirale. Je vous rappelle que le balancier spirale, c'est le cœur de la montre. C'est ce qui fait que les aiguilles avancent. Sans ça, rien ne peut fonctionner. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le vendeur m'avait dit de toute façon qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper parce qu'il préférait réparer des Rolex et des Omega, ce qui lui permettait de mieux gagner sa vie qu'une Seiko. Donc moi, je vais voir mon horloger et puis je vais voir ce qu'il me dit, s'il peut et me trouver un balancier spirale qui s'adapte sur cette Seiko. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.